Bonjour et bienvenue à tous pour ce nouvel épisode du Chinois Tendance. Vous arrive-t-il de rêver de votre passé ou de votre avenir? Aujourd'hui, nous allons étudier une expression tendance en rapport. Il s'agit de chuan yue. Cette expression vient d'un style littéraire récent et très en vogue, à savoir les romans et les séries chuan yue. Chuan yue xiaoshuo et chuan yue ju. Dans ce style, le héros est transporté malgré lui dans une autre époque et va y vivre toutes sortes d'aventures. Le caractère chuan est un idéogramme, c'est-à-dire que sa forme indique son sens. En haut, il est fait du caractère xue, comme tong xue, signifiant grotte, trou, et en dessous, il est fait du caractère ya, soit ya chi, signifiant dent. On peut en déduire qu'il s'agit d'une bête sauvage qui creuse un trou avec ses dents. Le sens initial de ce caractère est perforé, traversé. Alors aujourd'hui, nous allons étudier une utilisation fréquente de ce caractère. Passer, traverser l'espace, le temps. Par exemple, chuan guo sen lin, traverser la forêt. Chuan guo sen lin. Le caractère yue est un mot et en plusieurs sens. Ici, il indique l'action de franchir, sauter. Par exemple, yue dong, qui signifie hiverner, passer l'hiver à l'abri. Le mot chuan yue a pour sens initial traverser, passer. On peut dire chuan yue sha mo, traverser le désert. Chuan yue sha mo, chuan yue shi kong, traverser le temps. Chuan yue shi kong, chuan yue bian jing, passer la frontière. Chuan yue bian jing. Dans certaines œuvres de littérature fantastique, les personnages de la société moderne ont recours à des moyens extraordinaires pour retourner dans l'Antiquité, ou bien ce sont les gens du passé qui arrivent dans la société moderne. En chinois, ce genre de situation est appelé chuan yue. Voyons ensemble chuan yue de couche, l'épisode du voyage dans le temps.喝酒喝，一杯啤酒换一段精彩的表演，值了。再来再来，亮哥，是你，又是我，孙亮，报仇的机会可来了，说吧，真心话还是大冒险？真心话，不，还是大冒险吧。我来，这样，你给我们跳一段贴面热舞。 跟小琪一起，怎么样？好呀，好呀，好呀！我自罚一杯。切，没意思。再来，亮哥，又是你。啊，哈哈，孙亮，这可是天意，我都救不了你了。说吧，真心话呢，还是大冒险？真心话。 哎，师傅，师傅，让小琪姐问一个吧，她还没问过问题呢。我可不知道怎么出题。这出不来题目，可是会被罚酒的。对啊，小琪姐，你想问亮哥什么，你就随便问一个，反正他不能说谎的，对吧，亮哥？如果事业和爱情只能选一个，你怎么选？ 我毫不犹豫地选择爱情。你这等于没有说真心话。谁不知道你刚申请了咱们杂志和英国 FE 杂志的摄影师交流活动？你要是被选上了，你能不去？我才不信呢。谁说去英国就要放弃爱情呢？那就是说你是会去了，那你还是说谎。喝酒。 我没说谎，你要是没输的话，那小琪可就输了。你不喝酒，他就得喝酒。我喝，我喝。
给我来一杯没有酒精的饮料。多加点冰。你喝你那三嗓子真的很香。喂，丽丽姐。 真的，好事儿啊！先听我说完。英国方面提出的是长期交流计划，5年，也就是说，如果你同意参加，未来的5年，你得在英国生活。5年？这个交流计划非常丰富，期间会在英国乃至欧洲各地著名的时尚杂志和摄影工作室实践学习。当然了，5年之后，你极有可能成为国内屈指可数的王牌摄影师。 但是，要我放弃我国内的朋友。得与失，你自己衡量吧。尽快告诉我结果。怎么这么热呀？空调开没开呀？原来插销没插呀？ 小琪，你怎么穿成这样？你倒是看看你自己，我和你究竟是谁穿着奇怪？我恰巧路过，看到你从上面摔下来。既然没摔死，就好自为之吧。身上有没有银两？什么？一文钱都没有。 小琪，你没事吧？这是哪儿啊？你当真如此薄情，连一文钱都不肯施舍于我？你当真不知？小琪，你没事吧？你拿着剑干嘛？在拍武侠片吗？难道我穿越了？相公，原来你在这儿。相公，总算找到你了，我担心你走山路危险。 特地来接你的，又是你，站住！姑爷，这位郑小姐不远千里来到李府，竟然妄称是您的发妻，一派胡言！皇上钦点的状元郎，怎么会有习武卖艺的发妻？可这位郑小姐说的是头头是道，她说5年前为了为您凑足盘缠，让您进京赶考。 不惜习武卖艺，还欠下别人几百两银子，这一等，可竟是5年啊！5年都等下来了，怎么相公中了状元就等不了了呢？难不成是为了银子？等等，你们，丽丽姐，雪儿，你们是在跟我开玩笑吗？这是哪儿？难道说我真穿越了？孙亮。 从前，你说你寒窗苦读数十载，只为考取功名，报效朝廷，高官厚禄、锦衣玉食，并非你所求。全家上下衣食无忧，才是你所愿。现如今，你这愿望可是实现了？难道这些才是你真正想要的？ 我该说什么台词？好，我成全你，我与你恩断义绝。
小琪。 盛小琪，你要那好找啊！小琪，姑爷，5年前您抛家弃子，选择了荣华富贵，现如今难不成是要反悔吗？姑爷，看在小姐的份上，您可要三思啊！相公，我爹可还等着你呢，听说吏部有个要缺，我爹可正想举荐你。 我会想办法还你们银子的。看样子，你的相公是不会再回来了。你打算怎么还钱？我想办法就是了。哼，你觉得我们还会相信你的鬼话吗？给我拿下！来来来，我们玩。喂，丽姐。 孙亮，咱们杂志社和英国FE杂志的摄影师交流活动，你通过选拔了。啊，真的？先听我说完。英国方面提出的是长期交流计划，5年，也就是说，如果你同意参加，未来的5年，你得在英国生活。这个交流计划非常丰富，期间会在英国乃至欧洲各地，5年之后，你极有可能成为国内屈指可数的王牌摄影师。 Dans cet épisode, Soulian, ayant bu de l'alcool, s'endort et fait un rêve qui se passe dans une autre époque et dans un autre endroit. Ainsi, Soulian, 穿越到了另外一个时空. Il voyage dans l'espace-temps et il lui arrive toutes sortes d'histoires qu'il ne comprend pas. C'est donc un exemple classique de 穿越故事, une histoire de voyage dans le temps. En Chine, ce genre d'histoire est très populaire. Elles sont suivies par de nombreux amateurs. C'est où? 相公，原来你在这儿。相公总算找到你了，我担心你走山路危险，特地来接你的。5年都等下来了，怎么相公中了状元就等不了了呢？难不成是为了银子？等等，你们，丽丽姐，雪儿，你们是在跟我开玩笑吗？这是哪儿？难道说我真穿越了？ En fait, l'expression « chuanyue », outre le fait de décrire un voyage dans le temps, peut aussi être utilisée dans la vie courante pour décrire un état confus, une pensée embrouillée. La prochaine fois que quelqu'un ne comprend pas ce que vous dites, ou bien que quelqu'un passe du coq à l'âne, vous pourrez lui dire « ni chuanyue la ma ». Tu planes ?« Ni chuanyue la ma ». Chers téléspectateurs, avez-vous retenu l'expression « tendance du jour » Cet épisode du Chinois Tendance prend fin. À la prochaine. 再见.